Thank you, and I give the floor to the distinguished representative of Amman Center for Human Rights Studies. Thank you. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Centre d'Amman pour l'étude sur les droits de l'homme remercie le gouvernement du Yémen pour son engagement dans le cycle de l'EPU. Cependant, nous souhaitons porter une attention particulière sur le commerce des armes dans le conflit au Yémen, qui empêche toute possibilité d'amélioration des droits de l'homme dans le pays. Les gouvernements impliqués dans les ventes d'armes au Royaume d'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et à l'Iran ne peuvent plus nier leurs implications dans les crimes de guerre commis au Yémen. Continuer à armer ces pays, c'est continuer à violer le traité international sur le commerce des armes qui exhorte l'État exportateur à interdire les ventes d'armes pouvant amener à des crimes de guerre, affecter les civils ou permettre une violation grave des droits de l'homme. Selon les rapports des experts du Haut-Commissariat, les droits de l'homme ont fait l'objet de graves violations au Yémen par toutes les parties du conflit. Nous parlons d'attaques touchant des civils, de restrictions d'accès, de détentions arbitraires, disparitions forcées et tortures, de violations de la liberté d'expression, de violences sexuelles et de recrutement d'enfants dans les forces armées. La présence d'armes au Yémen aggrave considérablement la situation dans le pays. Les milices, principalement armées par les Émirats Arabes Unis, mais aussi par le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Iran, utilisent aujourd'hui les armes provenant des principaux fournisseurs d'armes dans le monde, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, mais aussi de nombreux autres pays occidentaux. Ces groupes armés commettent ensuite des crimes de guerre sur le terrain sans aucune forme de contrôle. Ce n'est plus un secret que les armes fabriquées dans les pays occidentaux soient utilisées par des organisations classées terroristes au Yémen. La population civile yéménite est la première victime de ces tractations. Nous demandons à ce Conseil d'adopter des initiatives empêchant de nouvelles ventes d'armes aux pays impliqués dans la guerre au Yémen. Nous exigeons le respect du traité sur le commerce des armes par tous ses signataires. Nous appelons à la création d'une commission internationale chargée d'enquêter sur les crimes causés par la guerre et l'agression au Yémen. Finalement, nous appelons à favoriser un dialogue inter-yéménite, car c'est entre les acteurs locaux et eux seuls qu'une solution pacifique durable peut être trouvée. Je vous remercie. Thank you, and I give